L'idée pour moi, c'était de jouer mon spectacle devant Ian Paice, en fait. Donc, quand je suis allé le chercher, il a dit oui tout de suite. Après, j'avais pas forcément envie de jouer juste un show tribute et de le faire venir sur scène pour faire une sorte de démo de batterie. Donc, j'ai appelé des copains et ça leur faisait plaisir aussi. Et en fait, j'ai mis tout le monde en scène pour pouvoir faire un spectacle un peu plus complet, à savoir en première partie mon spectacle en hommage sur sa carrière. Et en deuxième partie, voir les copains en train de jouer du Deep Purple et moi dans le public en train de regarder ça comme à mon premier concert quand j'avais 14 ans. Je pense que ce qui m'a fait le plus délirer, c'est que quand je l'ai récupéré à l'avion, le temps qu'on vienne à la salle, on a échangé sur plutôt du personnel. Voilà, c'est quelqu'un qui parle pas forcément boulot, tu vois. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il m'a vu en première partie faire cette story et sans s'être concerté. Moi, je lui avais juste dit, écoute, avec les gars, tu fais ça comme morceau. Ils ont préparé ça de leur côté. Ils n'ont jamais joué ensemble avec Yann, quoi. Et c'était une première sur la scène, en plus, pour enregistrer un DVD. Et je lui avais mis à disposition un ami à moi... très grand batteur en plus qui fait beaucoup de conférences, donc un grand passionné, pour venir faire la traduction. Et je lui avais dit, si tu veux parler au cas où sur scène, mon ami est là. Et en fait, sans se concerter, il est venu entre les morceaux et il faisait un peu la story des titres façon Pace History. Voilà. Ça a bouclé la boucle définitivement, ce truc-là, c'était vraiment fantastique. Et donc, effectivement, l'après-midi de ce show, il a accordé une demi-heure en privé à un groupe de personnes qui avaient participé à l'élaboration de ce DVD pour passer un petit moment avec eux, répondre à leurs questions et leur donner vraiment des choses ultra personnelles pour le coup. Ah, thank you. Thank you, guys. Where's Jimmy? Where's my translator? Turn down a little bit. Yeah. Hi, JB. Well, that song was written on a bus. Donc cette chanson que vous venez d'entendre a été écrite dans un bus. We're going to a show in England, and there was a journalist on the bus. Donc ils allaient dans un show en Angleterre et il y avait un journaliste avec eux dans le bus. And he asked a really intelligent question: how do you write a rock and roll song? Et le journaliste a posé une question très subtile, très intelligente: comment est-ce que vous écrivez les chansons pour le rock and roll? So Richie just said, just like this. And then you go, dugga dugga dugga, dugga dugga dugga. And the guy was going, that's fantastic. But we all looked around saying, that sounds okay. Et donc Richie a pris sa guitare, il a commencé à... Et tout le monde a dit, oh, mais ça sonne, c'est super en fait. So, we tried it out on stage that night, before it was a song. Et donc avant que ça devienne une chanson, en fait, le soir même, ils ont repris le riff que Richie avait commencé dans le bus et ils ont testé, ils se sont aperçus que ça pouvait faire quelque chose. We worked a very simple arrangement with that tempo and that sort of structure. And Gillan just sung some ridiculously stupid words and everybody liked it. Et donc finalement, on a mis des mots que lui estime étant ridicules et ma foi, ça a quand même fait une super chanson. So the rest, as they say, is history. You know, we worked on it, and it became Highway Star. Thank you very much, the journalist.
Même s'il est très ravi de ce qu'il a fait dans le passé, en fait, lui, il regarde devant. Il ne regarde pas dans le passé. Ouais, toujours... J'aimerais rebondir justement sur cette dernière partie de la réponse. C'est donc la fin de Deep Purple. Est-ce que tu as des projets après? Quels sont tes projets après? Ok, so, as we know, it's the end of Deep Purple. And, what are the projects? Do you have some projects for the future? Well, the end is coming, that's for sure. Donc la fin est proche, c'est vrai. It may not be this year, it may be next year. Ça peut être cette année ou l'année d'après. I mean, there's nothing we can do about the clock going tick, 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 tick. Il n'y a rien qu'on puisse faire, on ne peut pas arrêter le temps. And there comes a point where two things. You either don't want to do it anymore, or you physically cannot do it anymore. Donc il y a deux choses. Il y a des choses qu'on ne veut plus refaire, parce qu'on les a fait déjà pendant tellement de temps. Et il y a aussi, l'âge, le temps passe, et il y a des choses qu'on ne peut plus faire physiquement. So, yes, I think this will be the last big world tour. Donc, effectivement, il pense que ça sera vraiment le dernier tour mondial, la tournée mondiale pour ce groupe. But we've left ourselves a little room to maneuver afterwards. We have not said the last, we've said the long goodbye tour. Okay. We didn't say the last, even though it may be. Donc, c'est la dernière tournée mondiale, mais c'est pas direct qu'après, il puisse pas y avoir de temps en temps des concerts de manière... En tout cas, on parle de tournée. Hein. La tournée, ça c'est sûr que c'est la dernière. Mais il peut y avoir d'autres choses quand même après. Because when it's finished, we may say, okay, that's enough, it's been fantastic. But maybe we'll make another record, who knows? Donc voilà, ça peut après rebondir, peut-être pas sur une tournée, mais sur un enregistrement d'album. Quoi. Il peut y avoir encore de la musique qui sort, qui jaillit de ce groupe. Emotionally, it's a very, very frightening thing to shut that door, say it's finished. Ouais, donc d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose de très dur d'être confronté à l'arrêt, de se dire ok là maintenant on ferme la porte et c'est fini quoi. C'est très difficile. And I'm not so brave. Et c'est un courage donc il dit qu'il n'a pas vraiment quoi. So when it's over and it will be sad, but the music continues. Just because Deep Purple would not be there, I would still play. Even if it was in a pub with some friend, I would still. Donc effectivement, même si Deep Purple ça s'arrête, lui il a toujours la passion de la musique et même si c'est pour se retrouver avec un groupe de musiciens dans un pub, dans un bar, il continuera à jouer, hein, la batterie ça fait partie de sa vie. When you're a kid, you play to make yourself happy. Donc quand on est enfant, on joue la batterie pour se rendre heureux soi-même. And when it becomes your life, when you're business, you still keep yourself happy. Et quand ça devient son business, hein, on continue d'avoir cette même flamme et cette même joie de jouer de la batterie. You must never lose that. Et ça, on le perd jamais. Est-ce qu'il parlait de problèmes physiques? Est-ce qu'il fait quelque chose pour physiquement tenir? Yeah, this man is osteopath. The question is, do you do something, some exercise, some practice routine to be in a good physical way? No. It's not good. I'm not a fanatical musician. Donc, il n'est pas un musicien fanatique. For me, it's not obsession, you know. C'est pas obsessionnel pour lui. To me, it's something I do for my hobby. I enjoy what I do, so I do it for fun. Donc pour lui, il a toujours envisagé ça comme quelque chose de fun, comme un hobby finalement, quelqu'un qui va jouer, qui s'éclate. Sauf que ça a pris une dimension. And if I don't feel like playing, I don't play. Sometimes, 3 weeks, 4 weeks, I don't feel like playing. Des fois, ça peut lui arriver de ne pas avoir envie de jouer, et de pas donc pendant 3 semaines, et il s'arrête et il ne joue pas. Qu'est-ce que ça lui fait de te considérer comme une légende? How you feel yourself as being considered as a drum legend? What do you feel about that? Well, I don't think of those in those terms. Lui ne pense pas en ces termes. Aussi, I am aware that over the course of nearly 50 years, some of the things I have done have influenced a lot of people and made them want to play drums. I understand that. And that's very, very flattering. And I'm very proud. Bien sûr, il est conscient qu'avec 50 ans de carrière, le groupe Deep Purple, tous les albums, qui représentent quelque chose pour beaucoup de gens et qu'il a éveillé des vocations. There were some other great drummers that came up at the same time as I did, and we don't have them anymore. You know, Keith Moon was fantastic. He's gone.
John Bonham was fantastic, he's gone. Cozy Powell was fantastic, he's gone. So had these guys kept on being alive and getting better and better, they would have more influence as well. Mm. Just I'm still here, you know. Right. Donc parmi les batteurs qui sont ses contemporains, il citait Keith Moon, Cozy Powell, John Bonham, et ces gens-là sont disparus malheureusement, et il se dit qu'est-ce que ça aurait été s'ils étaient encore là parmi nous. Donc lui a eu la chance de traverser les années et d'être toujours là. Donc évidemment, ça fait la différence aussi, c'est que il a eu donc une longévité supérieure à tous ces gens-là. And I think one of the main important things that maybe what I've done is communicated to a lot of people is that yes, I'm playing rock and roll, but I'm not playing rock and roll drums. Donc ce qu'il a essayé de communiquer à travers toutes ces années, c'est que oui, il joue du rock and roll, mais c'est pas du rock and roll drums. C'est-à-dire que la batterie n'est pas finalement centrale. Ce qui est important, c'est la musique. There's more in it than this, you know. There's the jazz influences from when I was a child. Not playing, just listening. My father's music was always on the record player. So these influences are going in. So when I play, the influence from before rock and roll is what comes out. So it, maybe it makes it more interesting. Mm-hmm. Donc quand il a grandi, son père a écouté beaucoup de jazz et en fait tout ce qu'il joue a été influencé directement par tout ce qu'il a écouté quand il était jeune et le jazz en fait donc partie. Donc après, tout ce qu'il joue aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qui a pu l'influencer, tout ce qu'il a pu entendre quand il était jeune. So many, so many guys who play really, really well in rock and roll. They are just playing. They are thinking of the rhythm. They're not thinking of the music. Donc il pense qu'il y a pas mal de batteurs qui, quand ils jouent du rock and roll, ils pensent uniquement au rythme, mais pas à la musique. Et il faut penser à la musique. Of course, the rhythm is important. Bien but sûr, you have to be first a musician and second a drummer. Donc ce qui est important, c'est d'être en premier un musicien et après un batteur. Bien sûr, le rythme c'est important, mais ce qui est le plus important, c'est de penser à la musique. You have to understand the emotion of the piece of music you're playing. You have to understand what the words are, telling what story is being told. You have to understand when to push this emotion, when to pull this emotion, when to be loud, when to be quiet. You know, this is music. Donc la musique, c'est vraiment c'est mettre en valeur le texte, les paroles, les émotions de la musique et savoir quand est-ce qu'il faut pousser tout ça, ou au contraire être en retrait. Voilà, être capable de gérer les nuances, quand est-ce qu'il faut jouer fort, quand est-ce qu'il faut jouer doucement. Et donc c'est ça vraiment la musique, c'est donner la couleur, les émotions et mettre en valeur tout ce qu'il y a autour, tout ce qui fait la couleur. Good question. Okay. Donc il a cité tout à l'heure des légendes qui sont parties malheureusement, il reste bien. Est-ce qu'il a connaissance est-ce qu'on a en France, nous, des batteurs de cette importance-là? Est-ce qu'il en connaît? Do you know some French drummers? Not really. Not really. Then again, I don't know any English drummers. Même les batteurs anglais, en fait, il les connaît pas forcément bien, quoi. You know, I have a defense mechanism. Because I really don't know what I do. It's a very fragile thing. If I start listening to too many other guys, maybe I lose me and I try to become them. So I don't listen. En fait, il se retient d'écouter trop les batteurs parce que, en fait, lui-même, il a une approche finalement très intuitive. Et il emploie même le terme fragile. Hein, c'est, en fait, il pense qu'à vouloir essayer de trop copier ou trop prendre des informations d'autres batteurs, qu'il perdrait son identité. Exact. Donc, pour garder son identité, en fait, finalement, il se concentre sur la musique, sur son groupe, et il ne va pas trop chercher à écouter tous les batteurs qui sont autour. For me, it works. You know, I'm not saying it's right for everybody, but for me, if I stay concentrated on just being Ian Paice, and not trying to be somebody else, then I never lose this thing that I have. Donc ce qui marche pour lui, c'est ça, hein, c'est de se concentrer à être juste lui-même, Ian Paice, et pas chercher à aller picorer des informations. Et donc ça, il dit pas que c'est forcément ce que tout le monde doit faire, mais c'est ce qui marche pour lui. Voilà. Obviously, occasionally I will see other good drummers. Of course I do. Maybe I go to a club one night and see somebody fantastic. But I never want to be them. I may take some of their little bits of magic and make them
part of me, but I never want to be them. Even if they're fantastic and I think that I couldn't do that, but I don't want to be them. I'm happy being me, you know. Okay. Not so bad. Il est content d'être lui-même, hein, et même s'il va dans un club et qu'un jour il tombe sur un batteur qui sonne fantastique, eh bien, il va pas chercher justement à être ce batteur, quoi. Il garde son identité et toujours se dire, ben, ok, lui il fait des trucs super, mais moi je suis Ian Paice et je reste avec ce que j'ai. It's not so bad. Logical. It's a simple, simple theory for me. C'est sa théorie personnelle et il chemine avec ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Another question? Everybody happy? Yes, yes. That's okay. Dire merci de ces 42 années pour moi. This man says thank you a lot, thank you very much for all the music you played and all these years. Thank you for enjoying it. Merci de l'apprécier.